Je l'ai utilisé dans la salle de bain parce que souvent on a les filles qui font un énorme bain. J'ai beaucoup de condensation sur la glace. Et là, eh ben, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Effectivement, j'ai pas de condensation sur la glace, donc ça c'est une bonne chose. Là ici, on a en fait l'air qui sort de chaque côté ici, qui l'aspire là. Là on a le on et le off. Le on, pardon, et le full quand il est plein. Derrière, on a le bouton pour allumer et éteindre. Voilà, ça se passe comme ça. Tac. Et là, du coup, eh ben, je l'ai laissé tourner pendant 2 heures, même un peu plus. Je vais l'arrêter. Et j'étais assez surpris tout à l'heure. On a quand même pas mal d'eau qui a été récupérée. Voilà. Donc l'eau se récupère par ce petit trou. Et puis on vient le vider par ce trou-là. Avec une seule main. Et là, voilà, on vient vider tout simplement l'eau. Voilà. Donc dans l'ensemble, j'aime bien parce que c'est pas trop. C'est pas trop bruyant. Après, voilà, difficile à dire au niveau quantité. Je suis pas un expert des quantités d'eau, mais en tout cas, force est de reconnaître que ça fonctionne dans le sens où ça condense. Et pas qu'un peu. C'est ça qui m'a épaté en fait. Et le bruit est raisonnable.